aujourd'hui? Très bien. Et vous les copains et les copines, on espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va ouvrir le troisième colis de Marine pour l'anniversaire de Swan. Oh, encore un colis de Marine? Oui, c'est incroyable. Alors vous vous souvenez certainement, les copains et les copines, des colis formidables que Marine avait envoyés pour les garçons. Alors, on avait réalisé plusieurs vidéos d'ailleurs dessus, tellement il y avait de surprises. Je vous mets les liens là au-dessus de la tête de Swan. Je vous mets le lien pour les vidéos que nous avions faites avec Marine. Et là, Marine a renvoyé un colis pour l'anniversaire de Swan. Et j'ai bien l'impression que ça va encore être un colis incroyable. Alors, Marine, on te remercie par avance, avant même d'ouvrir le colis. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ça, les garçons? Oui. 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 On y va? Vous êtes impatients? Oui. Allez. Allez, c'est parti, on ouvre. La maman, Néo Swan, Néo et Swan. Et à l'intérieur du colis, il y a apparemment les paquets cadeaux. Je sens que ça va encore être quelque chose de fantastique pour ces messieurs. Mais il y en a mis des cadeaux, tu crois? On va voir ça. C'est assez surprenant quand même. Quand même. Donc en ouvrant le colis, voilà ce que Swan et Néo ont découvert. Bah heureusement hein, que vous n'avez pas peur de tout ça et que Swan adore justement les décorations d'Halloween, parce qu'il y avait quand même de quoi être un petit peu surpris. Il y avait aussi une main très sympa, regardez donc. Alors bien sûr, c'est aussi pour Halloween hein, cette main, hein. Évidemment. Hein. Alors pour ceux qui n'aiment pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de cadeaux Halloween, attention à vous. Donc comme c'est un colis pour l'anniversaire de Swan, il y a aussi des petites bombes à confettis. Ça c'est très sympa, on l'avait fait pour la vidéo sur la coupe de l'Euro 2016. Et ça c'est une bougie d'anniversaire un petit peu particulière en forme de fleurs. Je crois bien que tu avais vu ça Néo sur internet. Oui, j'ai vu ça sur internet. Alors il est marqué en gros et en rouge à faire pendant la vidéo. Et pareil pour les confettis. Donc je pense qu'effectivement Marine, nous allons le faire pendant la vidéo. Oui. Et il y avait un autre bonhomme sympa dans ce colis, hein, voilà. Alors je pense que Swan, c'est le colis peut-être qui lui plaira le plus. Je pense parce que vraiment, tout est sur le thème d'Halloween là. Swan, dis bonjour à ton nouvel ami. Bonjour. Donc là on nous dit, la maman, cette lettre doit être ouverte en premier. On nous dit, bonjour l'équipe Swan The Voice, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Marine. Ah oui. Comme on dit, jamais 203. Je vous ai donc envoyé un troisième colis. Je suis contente que les deux colis que je vous ai envoyés vous aient fait plaisir. Ah oui, c'est rien de le dire. Hein. Tu nous as vraiment beaucoup gâtés. Il y aura bien entendu également des gourmandises pour la famille gourmande. Vous avez vu cette réputation, hein? Oh. Tout le monde sait qu'on est gourmand maintenant. J'espère que ce troisième colis vous plaira autant que les deux premiers. Dans ce colis, j'ai également mis des surprises pour la maman, qui comme Néo et Swan est extraordinaire. Oh, c'est trop gentil. Regardant vos vidéos tous les jours, j'ai pu entendre que cette semaine, le 23 septembre, c'est l'anniversaire de Swan. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Swan. Pouvez-vous m'envoyer une carte dédicacée de vous trois? Oui, bien sûr, oui. Marine, il faut qu'on trouve le temps, mais évidemment, on va t'envoyer plein de choses d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette nouvelle année sur YouTube et surtout, ne faites pas attention aux rageux. Votre bonne humeur à travers vos vidéos me donne le sourire. Vos vidéos me remontent le moral quand je suis triste. Bon, vos vidéos sont également un bon moyen pour moi pour me faire retrouver le sourire dans les périodes de stress, comme par exemple lors de mes concours infirmiers. Vous êtes les meilleurs. Bon, c'est adorable. Ça fait vraiment plaisir de te lire, Marine. PS, pouvez-vous également m'écrire mon adresse mail? Ce serait sympa de faire plus ample connaissance. Oui, bien sûr. Il faut absolument qu'on prenne le temps d'entrer un petit peu plus en contact avec toi. Et pourquoi pas d'aller te faire un coucou aussi. Ça serait, je pense, une très bonne idée.
Alors, il y a ensuite une lettre pour Néo et Swan. Tu te reconnais, Swan? Oui, oui. C'est le challenge Oreo. Oui, c'est ça, petit cœur. Menu pour Néo et Swan, les deux frères extraordinaires. Ah, il y a des cadeaux pour vous deux, et puis après, il y a des cadeaux pour Swan, et après, il y a des cadeaux pour Néo. C'est trop mignon. Alors ça, c'est le menu pour les deux, que je vais lire donc au fur et à mesure. Il y a aussi le menu pour Swan, donc en plus, c'était son anniversaire. Waouh, regarde la jolie lettre que tu as reçue. Incroyable. Joyeux anniversaire. Avant de découvrir ton menu, Swan, je tiens à te faire cette lettre. Tu es un garçon très mignon et très gentil. Oui, c'est vrai. Tu es très proche de ton frère Néo et je trouve cela très mignon de voir une telle complicité entre frères. J'espère que ta dernière année en maternelle se passe bien. J'espère que les cadeaux que je t'ai offerts t'ont plu. Bah oui, c'est sûr. Oui. Et que les cadeaux que tu découvriras te plairont également. Je te souhaite une bonne découverte de tes cadeaux avec ton frère Néo. Alors ensuite, il y a comme un petit poème. Un bon gâteau, des cadeaux, une famille qui t'aime. Que te souhaiter de plus en ce jour de fête? Des amis en or, une santé de fer. Tu auras tout cela et bien d'autres choses encore. Avec tout mon amour, je te souhaite un bon anniversaire. Oh, dis donc, c'est trop mignon. Voici le menu de Swan. Donc, joyeux anniversaire pour tes 5 ans avec un joli gâteau. C'est vraiment joli, hein, Marine, vraiment, t'as fait les choses en grand, hein. 5 ans, joyeux anniversaire et joyeux anniversaire avec le petit ours. C'est trop mignon, trop trop mignon. Ça te plaît? Oui. Oui. Et voici la lettre pour Néo. Donc, le menu de Swan comporte également 4 cadeaux. Donc, a priori, on est encore sur un swap. Marine nous a encore envoyé un swap avec 3 cadeaux pour tous les deux, 4 cadeaux pour Swan et la lettre pour Néo avec également une grenouille et Pikachu. Oui, une grenouille et Pikachu. Tout ce que Néo adore. Et là, il y a également 4 cadeaux dans le menu de Néo. Waouh, je te lis ta lettre, Néo? Ok. Avant de découvrir ton menu, Néo, je tiens à te faire cette lettre. Tu es un garçon très mignon et très gentil. Tu es très proche de ton frère Swan et je trouve cela très mignon de voir une telle complicité entre frères. J'espère que la 6e se passe bien pour toi. Oui, ça va. J'espère que les cadeaux que je t'ai offerts t'ont plu, bah oui, comme pour Swan, et que les cadeaux que tu découvriras te plairont également. Néo, quand as-tu ton anniversaire? Moi, c'est le 13 février. Et tu auras quel âge? Bah, j'aurai 12 ans. Et voilà, les fans, rendez-vous le 13 février. Voilà, Néo prendra une année supplémentaire. Marine nous dit aussi, pourrais-tu m'envoyer des cartes Pokémon si tu en as en double collection Rupture Turbo ou Enfant Style Vapeur ou encore Impact des Destins? Ok. Tu mettras ça de côté pour Marine? On lui enverra. Je te souhaite une bonne découverte de tes cadeaux avec ton frère Swan. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans ce carton. Ah, waouh, waouh, waouh. Ah, mais c'est du sang. Ah, il y a un truc écrit dessus. Oui, regarde, vas-y, mets-le dans l'autre sens, c'est de l'anglais. Alors effectivement, c'est comme un rideau ensanglanté. Il y a marqué « Keep out ». En gros, ça veut dire « enlève tes mains », quoi. Ça veut dire « va-t'en, enlève tes mains ». C'est excellent, avec les mains ensanglantées. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons, pour la déco d'Halloween? Bah, quand même, ça c'est effrayant. Hein. Swan, ça te fait pas peur? Non. Non? Ça ira pour Halloween? Oui. Waouh, waouh, waouh. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est une structure gonflable. Attends. Oh, vous avez vu tout ce qu'il y a dans le carton? Oh, regardez comme c'est la folie. Je vois plein de bonbons, plein de paquets. Marine, tu nous as encore incroyablement gâtés. C'est encore... il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est encore Noël avant Noël. Tiens, maman, un bouquet de fleurs. Ah oui, ouh là là, super. Oh, tu penses que c'est pour moi? Peut-être. Oui, il y a des chances, hein, il y a des chances. Un bouquet de fleurs en bonbons, il y a des chances pour que ce soit pour la maman. Waouh, c'est magnifique. Avec un papillon. C'est trop beau. Trop trop beau. Vraiment, c'est formidable. Il y a ici un plateau de sushi en bonbons en fait. Mini candy sushi. Mmh. Et il y a ici des brochettes. Regardez, candy barbecue.
Des brochettes en bonbons. Oh là 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 là. On va se régaler. On vide le carton, les garçons? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu de place. Donc, regardez les copains et les copines. Je pense que c'est pour mettre dans la piscine. C'est trop sympa. Avec tous les petits emojis. On aime beaucoup ça, nous. Super joli. On essayera de le gonfler quand même pour la fin de la vidéo. Alors, ça y est, on a sorti tout ce qu'il y avait dans le colis. Qu'est-ce que t'es déjà en train d'ouvrir, toi? Kinder Joy. Kinder Joy. Alors, Swan, super impatient. Il est déjà en train d'ouvrir un Kinder Joy. Oh, les affamés, là. Alors, pendant que les gourmands vont se régaler, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, les copains et les copines, tout ce qu'il y avait dans ce colis incroyable. Alors, on a déjà sorti hein, les cadeaux d'Halloween, les bonbons géants, les emojis, les bougies, tout ça, voilà. Parce que ça ne tient même pas sur la table. Voilà les cadeaux pour Swan. Les voici. Voici de ce côté-là les cadeaux pour la maman. Au milieu, on a mis la pile des cadeaux pour Swan et Néo. Donc, il y en a 4. Là, il y a les cadeaux pour Néo, donc c'est pareil. Il y en a 4 dans le menu. Et là, nous avons toutes les gourmandises envoyées par Marine. Donc, il y a des Kinder avec Dory. Tiens, ça vient de quel pays, ça? Überraschung. Ah, c'est l'Allemagne. Ça doit être des œufs allemands. Il y a aussi des chips. Tu m'as dit quoi, Néo? Moutarde, oignon et miel. Il y a aussi des œufs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a également des Kinder Joy, il y a des sucettes par là, voilà. Et puis il y a des sabres laser Star Wars en bonbons. Ils s'allument, non, les sabres? Oui, ils s'allument, attends. Tu vois? Ah oui, ça s'allume. Trop sympa. On commence par quoi alors? Les œufs. Ah bah, Swan, c'est parti. Il prend l'œuf orange. Ah, j'ai une figurine Star Wars. Oh, c'est où? C'est quoi? Atchoum. C'est une figurine Kinder très rare. Ah. Elle est dorée. Waouh! Elle est brillante. J'ai un insecte collant et une pièce avec un squelette dessus. Et là, c'est des élastiques qui ont des formes. Ah oui, ce sont des petits bracelets. Oui, en forme d'animaux, non? C'était ça. T'en avais quand t'étais petit. Oui, j'en avais. J'ai eu un badge Wario. Waouh! Wow, un badge Wario. J'ai eu une figurine Star Wars aussi. Alors les bracelets en élastique, je vous les montre d'un petit peu plus près, voilà. Je vais vous mettre tout ça sur la petite table, les copains et les copines. Et puis je vous ferai un plan rapproché à la fin pour que vous puissiez voir toutes les petites figurines qu'on a reçues. Oula. Oh, j'ai eu encore une figurine comme ça. Waouh. Oh, j'ai eu un porte-clé. Une figurine. Un porte-clé. Avec Hulk. Des petits bonbons comme vous aimez. Maintenant, je vais ouvrir l'œuf bleu. Moi, je vais ouvrir celui-là. D'accord. Attention, pas sur mes petits cœurs. Wow. J'ai eu plein de figurines de Kinder. Ah, c'est l'âge de glace. Oui, c'est ça. Et je regarde. J'ai que des trucs Star Wars. Wow. On a eu Chewbacca. Ouais, bah, Chewbacca, j'aime bien Chewbacca. En porte-clé? Ouais, en porte-clé. Waouh. On a eu des autocollants. Un tatouage. Et un tatouage, et ben dis donc, avec tout ça. Voilà tous les petits trésors qui étaient contenus dans les œufs envoyés par Marine. Ça en fait, hein. Oh là là, vous êtes encore bien bien gâtés, les garçons. Des sucettes. Dis donc. Alors les garçons, je vous propose qu'on mette peut-être déjà les petites figurines de côté, oui, gourmandises. Et puis on va pouvoir se concentrer sur les paquets parce que Marie, tu nous as tellement gâtés encore. On n'a plus de place, on n'a plus de place. Alors en rangeant toutes les gourmandises et les trésors dans un sac à part, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout des chips que nous avait envoyé Marine. Ce sont en fait des pretzels, voilà, des petits morceaux de pretzel au miel, à la moutarde et à l'oignon. Enfin, ça n'enlève rien au fait que ce soit certainement délicieux. Hein. On goûtera ça bientôt. Alors les garçons, vous êtes tout prêts pour l'ouverture des cadeaux? Oui. Oui. Swan, toi le thème c'est tu as vu le film. Ah. Et toi Néo, le thème c'est en attendant le jour venu. Attendons le jour venu, d'accord. Thank you.
c'est la... c'est un puzzle de la Statue de la Liberté. Ah. Waouh. Alors c'est adorable, c'est Angry adorable Marine. Je savais, c'est Angry Birds. Ah oui, Angry Birds. Je le savais. C'est vrai, t'adores Angry Birds. Ah, c'est un album Panini, Swan. C'est pour coller des autocollants dans ton album. Ouais, et là il y a des, ça c'est des sachets d'autocollants. Les cartes à l'intérieur sont numérotées, puis tu dois aller retrouver l'emplacement et les coller dans l'album. Et à la fin t'as un album avec toutes les couleurs et toutes les étiquettes. Yes. Ouais. Alors voilà pour Swan, l'album Angry Birds avec des stickers. Donc ça, ça va être un super, oups, un super jeu pour Swan. Et pour Néo, alors c'est un très beau puzzle en 3D de la Statue de la Liberté. Donc Marine, ça fait très très plaisir à Néo qui adore New York. Par contre, petit point de détail, c'est un puzzle que Néo a déjà reçu pour Noël dernier précisément. Et on avait d'ailleurs réalisé une vidéo sur le montage de cette statue. Allez, on met le lien de la Statue de la Liberté. En tout cas, merci beaucoup Marine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on ouvre? Bah, le cadeau de Néo et Swan. Alors le cadeau de Néo et Swan, le numéro 1, pour décorer votre chambre. Il y en a deux. Oh, c'est des figurines Marvel. Alors Deadpool, je pense que c'est pour toi Néo. Swan, tu veux ouvrir l'autre? Oh, c'est sympa, vous adorez Marvel. Non, c'est pareil. Uncharted, alors ça on connaît pas du tout. Oh, tu connais ça, Néo? C'est un jeu vidéo, je crois. Je connais pas trop, mais je crois bien que c'est un jeu vidéo assez violent. Ah, c'est un jeu vidéo apparemment sur PlayStation, non? C'est ça? Ouais, c'est marqué derrière. On va sortir la figurine, on va voir. Voici la figurine de Deadpool. Alors, moi j'avais bien aimé le film. Hein. Néo, je me souviens plus si tu l'as vu Deadpool. Je n'avais plus regardé parce que j'étais trop petite, tu disais. Oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça trop violent pour toi. Je voulais le regarder. La maman poule. Bon, maintenant t'es un petit peu plus grand, hein. Peut-être que maintenant ça va être possible quand même. Alors celui-ci, c'est Nathan Drake, c'est ça? C'est le nom qui figure sur la boîte. Alors, on ne connaît pas ce personnage, donc les copains et les copines, on compte sur vous, bien sûr, dans les commentaires, comme d'habitude, pour nous éclairer sur l'identité de cette figurine. En tout cas, c'est très sympa. Très bien fait. Ouais, c'est joli comme toi. Eh ben dis donc, vous êtes encore ultra gâtés, hein. Cadeau numéro 2. Alors, Swan. Génial. Il a une forme rigolote. Il y en a deux. Pour Swan, cadeau numéro 2, tu adores ceci. Yeah. Et pour toi, Néo, cadeau numéro 2, tu possèdes un t-shirt concernant ce cadeau. C'est ça qui est sympa avec les swaps. On voit vraiment de surprise en surprise. C'est pas du tout ce que ça va être. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Oh, moi, c'est une figurine Minecraft. Ouh. Oh là là, alors là. Oh, j'ai même des cartes avec. Le grand bonheur. Alors là, je suis. Oh là là. Tout ça. Trois paquets de cartes et un porte-clés. C'est un porte-clés, c'est ça? Oui. On a déjà eu des surprises comme ça. Oh là là. Incroyable. Et Swan, il va être hyper content, je sens. Parce que je crois bien que c'est un truc qu'il adore. Ah, bah c'est ce qu'elle a dit, Marine. Hein. Elle a dit, tu adores ceci. C'est ce que c'est, Swan? Fingies and Mingies. Yes. Oh là là. Enfin, je vais ouvrir le mien. Ouais. J'espère que c'est une figurine que j'ai pas. Tu vas nous dire. Oh, ah non, je l'ai pas. C'est un champignon que Swan adore. Ah. Donc c'est une vache avec des champignons sur la tête et sur le dos. Et apparemment, Swan adore cette vache. Donc voilà, Marine, c'est bien joué. Ça fait bien plaisir aux deux garçons comme ça. Et trois sachets de cartes Minecraft. Waouh. Ça va être super sympa aussi. Alors Néo pour l'instant ne collectionnait pas les cartes Minecraft, mais il y a un début à tout. En plus des Pokémon, voilà, nouvelle collection. Oh, tout ça en Fungus Amungus. Oula, là il a une bonne tonne de Fungus Amungus. Qu'est-ce que t'en penses, petit cœur? C'est juste super. On peut m'ouvrir. Tu peux m'ouvrir ça? Ok, je t'ouvre le gros et toi tu ouvres les petits points. C'est un énorme, hein? Oui, c'est un gros. Donc là, c'est un Fungus Amungus géant, hein, voilà. On nous dit qu'on tient un super microbe exclusif. Super. Waouh.
Voilà, je sens que ça va être quelque chose d'incroyable encore. Il a une bonne tête celui-là, hein. Maman, regarde. Ah, c'est un œuf en fait. C'est un œuf au plat et il a une cuillère et il se mange comme ça la tête. Il s'auto-mange, c'est ça, il se mange tout seul. Et voici les deux fungus amungus de la première petite boîte. Ils ont toujours des têtes fantastiques, hein. Voici l'énorme fungus amungus. Absolument horrible pour le plus grand plaisir de Swan. Léo aussi, hein. Et Léo me disait d'ailleurs qu'il pouvait manger le petit du coup. Et voilà encore deux affreux fungus amungus. Cadeau numéro 3. Swan, tu souhaites faire la collection.